type de formation nécessite de longues heures de perfectionnement et du discernement. Quand la troupe prend un virage, le motocycliste à l'extérieur doit adapter sa vitesse afin de rester aligné avec celui qui est à l'intérieur. L'homme à l'extérieur doit tourner sur une distance plus longue et donc plus rapidement afin de rester aligné avec la parade. Les roues extérieures doivent tourner plus rapidement que les roues intérieures car elles ont une distance supérieure à parcourir pendant une même durée. Quand un chariot ou une remorque prend un virage, les roues peuvent tourner à des vitesses différentes parce que chacune d'elles est libre sur son axe. Dans les premières automobiles, les roues arrière tournaient séparément, et seulement une des deux était en prise avec le moteur. Mais quand une seule roue est entraînée par le moteur, elle doit faire tout le travail. Elle ne pouvait pas fournir une adhérence suffisante sur la route pour assurer son rôle correctement. Ainsi, la technologie à une roue motrice fut vite caduque. Mais si deux roues sont bloquées sur un même essieu, une des deux doit forcément glisser. Donc les ingénieurs ont dû trouver un moyen pour connecter les deux roues arrière au moteur sans qu'il n'y ait ni dérapement ni glissement pendant les virages. Le dispositif qui rend ça possible fait partie de l'essieu arrière. On l'appelle différentiel car il permet de propulser les roues arrière à des vitesses différentes. Le différentiel peut paraître complexe, mais dès qu'on a compris son principe, il est en fait étonnamment simple. Ces deux roues sont montées sur des axes séparés, posées sur un support, afin qu'elles puissent tourner librement à des vitesses différentes. Attachons un rayon à l'extrémité intérieure de chaque axe, de façon à ce qu'en faisant tourner les rayons, on puisse faire tourner les roues séparément. Avec une barre ou traverse, on peut tourner les deux roues dans la même direction et avec la même vitesse. Prenons quelque chose pour maintenir cette barre en position afin qu'elle appuie continuellement sur les rayons. Vous pouvez remarquer que ce support n'est pas bloqué sur l'axe, il tourne librement. Maintenant, nous pouvons faire tourner les roues en faisant tourner le support. Cela convient très bien tant que les deux roues sont capables de tourner à la même vitesse. Et voyons ce qui se passe lorsqu'on prend un virage. Avec ce dispositif, nous ne pouvons pas faire tourner une roue plus vite qu'une autre. Et si nous stoppons l'une des roues, l'autre refusera de bouger. Mettons cette barre sur un pivot afin qu'elle puisse basculer dans les deux sens. Maintenant, la barre peut toujours faire tourner les roues à la même vitesse. Et grâce au pivot, il laisse tourner une roue même quand l'autre est à l'arrêt. Mais si l'on tourne trop, la barre va basculer jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus pousser les rayons liés aux roues. Nous avons besoin d'une autre traverse et de plus de rayons pour maintenir cette fonctionnalité. Quand nous arrêtons une roue, les traverses vont continuer à pousser les rayons de la roue libre. Tant que les deux roues sont libres de tourner, les barres ne pivotent pas et les deux roues tournent à la même vitesse. Nous avons donc maintenant le principe de fonctionnement d'un différentiel. Afin d'adapter notre maquette à une utilisation dans une voiture, nous allons devoir faire quelques changements. Afin de réduire les à-coups dus au grand espace entre les rayons, nous allons en mettre davantage. Remplir les espaces entre les rayons permet une transmission plus continue et plus stable. Changer la forme nous permet d'avoir un contact ferme et constant. Maintenant, nous allons pouvoir rendre les dents plus épaisses et donc plus robustes. Nous obtenons ainsi un engrenage différentiel. Les arêtes sont usinées afin que les engrenages s'assemblent sans heurts et silencieusement. Et un second engrenage est ajouté afin de diviser la transmission d'effort entre les deux. Le principe est similaire.
Afin de faire tourner le support et ainsi propulser les roues, nous pouvons attacher une grande roue dentée, ici, connectée à une source de puissance par une roue plus petite. Remarquons ensemble que la puissance est connectée au différentiel suivant une ligne centrale. Nous pouvons rendre notre maquette plus compacte en rapprochant les roues dentées. Lorsque nous mettons notre différentiel dans une automobile, nous devons donc laisser de la place pour l'arbre de transmission qui achemine la puissance provenant du moteur. Nous pouvons placer le plancher de la voiture au-dessus de l'arbre de transmission. Mais si on fait ça, il ne reste plus beaucoup de place à l'intérieur, à moins d'augmenter la hauteur de la voiture. Bien sûr, on pourrait baisser le plancher et le plafond en même temps, mais l'arbre de transmission serait alors plus haut que le plancher. Cela amènerait à quelques inconvénients. Un arbre tournant au niveau du plancher d'une voiture serait gênant pour les passagers, et peu commode pour le transport des bagages. À l'heure actuelle, les ingénieurs ont trouvé une façon de rendre les voitures plus spacieuses et près du sol sans avoir cet arbre inélégant au-dessus du plancher. L'arbre de transmission entre le moteur et le différentiel est abaissé. Cet arbre est connecté au différentiel de l'essieu arrière par le bas. Cette transmission par engrenage hypoïde rend l'essieu arrière plus silencieux, plus résistant et plus robuste. En effet, cela permet un contact plus graduel et donc meilleur entre les dents. Les automobiles actuelles avec ce différentiel à hypoïde sont plus résistantes et plus robustes. Toutes les pièces de l'essieu arrière ont été fabriquées pour résister à des contraintes bien plus grandes que celles qu'il ne pourra jamais rencontrer, que ce soit en ligne droite ou durant un virage.